Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Falling Beauty ou bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un produit coréen, donc pour vous donner mon avis, donc sur ce petit produit-ci. Donc c'est une brosse nettoyante de la marque Cocoringo. Donc c'est la Coq Peach Face Brush. Donc c'est une brosse donc nettoyante. Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc elle est faite avec des petits picots là tout doux, donc blanc et rose comme vous le voyez. Donc ils sont plus fins qu'un cheveu, donc qui sont censés être non irritants pour la peau, très doux, pas agressif du tout. Et donc elle a pour but de réduire les imperfections et d'améliorer la texture de la peau. Donc qu'est-ce que j'en pense? Donc ça fait à peu près un mois, deux mois que je l'utilise. Je l'utilise donc tous les soirs, parce que donc moi j'ai la peau grasse et... donc pas très sensible, mais pour ceux qui ont la peau sensible, ils peuvent l'utiliser tous les deux soirs en alternance avec un autre produit. Et bien elle ne m'irrite pas la peau, donc je l'utilise avec un nettoyant crème et donc je l'applique sur ma peau, et après donc avec cette brosse là je l'utilise donc pour faire mousser le produit. Donc comme je l'ai dit auparavant, elle n'est pas irritante, elle marche très bien, elle donne la peau vraiment très douce. Quant à réduire les imperfections, oui, elle fonctionne bien. Elle réduit tout ce qui est petits boutons, pour la taille des pores. Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas vraiment vu de grande différence. Mais en tout cas, sur l'apparence de la peau, oui, elle est vraiment beaucoup plus douce. Par exemple, après avoir utilisé un masque, par exemple, tous les soirs ou une fois par semaine, on a la peau toute douce, et bien cette brosse-là reproduit cette sensation sur la peau. Elle donne la peau douce donc tous les soirs, donc en continuité du masque. Elle lisse bien la peau pour les gros boutons, ça, elle ne les fait pas disparaître. Par contre, ça calme un petit peu, surtout s'ils sont irrités. Oui, mais sinon, j'étais un petit peu mitigée au départ, parce que je me suis dit, c'est juste une brosse nettoyante, elle va pas... Pour ce prix, elle coûte peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais en fait non. Donc elle fonctionne très bien. En plus, on peut vraiment l'utiliser tous les soirs, il n'y a pas de problème. Elle ne s'abîme pas. Ça n'a fait qu'un mois que je l'ai, mais elle n'a pas perdu de poil, rien du tout. Elle a peut-être juste bougé un tout petit peu de forme, mais ça c'est quand elle sèche, donc ce n'est pas très grave. En plus, on peut la laisser dans la douche, on peut l'accrocher pour qu'elle sèche, puisqu'en plus le manche là en plastique, il pourrit pas, donc on peut le laisser sans problème. Ben voilà, elle s'abîme pas. Donc est-ce que je la recommanderais? Alors oui, je la recommande à 100%, que vous ayez une peau sensible ou grasse, parce que elle ne sera pas trop agressive sur une peau sensible, et sur une peau grasse elle la nettoie bien. Une fois qu'on l'utilise tous les soirs, on remarque que la peau devient au fur et à mesure de plus en plus douce au cours du temps. Elle devient aussi plus lumineuse, c'est vrai, après la sortie de la douche, puisque ça on peut l'utiliser donc sous la douche, c'est fait pour. On voit que la peau est toute lisse, toute belle, éclatante à la sortie de la douche. Donc pour ça, oui, je le recommande. Elle vaut quand même son prix, et je comprends maintenant pourquoi elle est aussi populaire, parce que l'adopter, on peut plus s'en passer après. Moi, je ne peux plus, elle sert vraiment à quelque chose, et oui, elle est indispensable maintenant. Donc voilà, donc si ça vous dit de la tester, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique sur laquelle je l'ai acheté. Comme ça, si vous voulez, vous pourrez l'acheter par là. Ce n'est pas un lien sponsorisé, rien du tout, c'est juste pour le partager avec vous. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un commentaire me disant si vous voulez la tester, si vous l'avez déjà testée, si vous avez testé d'autres choses du même genre que ça. Dites-moi tout ça en commentaire, et sinon on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!